Et bien sûr tout le monde, c'est Mr. B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Death Stranding avec l'épisode 13. Installez-vous confortablement bordel. Mettez-vous à l'aise, évidemment 2K 60 FPS, un petit truc à boire et à manger. Pourquoi pas, et on est parti. Allez, re tout le monde et bienvenue dans le monde des échoués. Souvenez-vous, on avait tracé le camp de mules parce que clairement j'ai eu très très chaud. Et là, on doit aller dans un endroit très désagréable qui se situe exactement à 693 mètres. Et nous avons aussi à 964 mètres. Donc ça risque d'être évidemment assez compliqué. Mon bébé, qu'est-ce qu'il a mon bébé? Oh bébé, surveillez le bébé. Hein, bah alors, attendez. Faut rester appuyé. Ça va? Apaisé, allez. Alors, on va y aller doucement. Évidemment. Le bébé gazouille. Ça va? T'es heureux dans la vie? Tu vas mettre un petit like? Oh, oh, c'est des petits cœurs! Lui, il va liker, voyez? Je lui demande s'il va mettre un petit like. C'est trois petits cœurs qui sortent de sa bouche. Donc, vous allez liker, évidemment. Allez, c'est parti. Ouais, accrochez-vous. Bah, écoutez, oui, on va s'accrocher. On va s'accrocher, ça va être très embêtant, mais il faut le faire. Comme on dit quand faut y aller, bah écoutez, faut y aller. Let's go. 600 mètres. Effet du squelette actif. Les effets du squelette actif durent tant qu'il vous reste de la batterie. Permet d'augmenter les effets du squelette, mais cela consomme plus de batterie. Très bien. En appuyant sur L3, c'est-à-dire la course, vous l'aurez compris. La batterie fonctionne à énergie solaire. Elle se rechargera progressivement par temps ensoleillé ou nuageux. Mais peut par ailleurs être rechargé plus rapidement, évidemment, à l'aide d'un générateur. Très bien, on adore. C'est pas pourquoi je prends cet accent. C'est génial. N'oubliez pas le like. On va arrêter les conneries. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, allez, on l'utilise. Ah, quoique, en vrai, attendez. En fait, il a peut-être l'idée juste du siècle, le gars. Il a... Mais c'est peut-être l'idée de génie qu'on a eu là. Je le like ou pas? Non, hors de question, les gars. Faut pas déconner. On a un champote. Rien à foutre. On a quoi? Oh, marchandises, des jeux de société. Allez, on s'amusera. On s'amusera tous ensemble en enfer. Ok, qu'avons-nous là? Tiens, 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 qui voilage. Ouais, c'est une belle combi, ça. Hein. Si jamais faut cavale, hein, c'est grand mort. Hein. Très, très belle combi qu'on va recharger de ce pas. Hein. Pas mal, ça. Mais toi, t'es un frérot, hein. Et t'as une masse live grâce à ça, en vrai. Hein. Mec, t'es un monstre. Ok. On va arrêter les conneries parce que là ça m'inquiète un petit peu. Je crains pour ma vie. 450 mètres. Il n'y aura pas d'échoué. Accroche-toi. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'on va s'accrocher, les amis. Donc c'est très chill, hein, évidemment. Je sais que c'est difficile de rester accroché à ce genre de série. C'est du Hideo Kojima. C'est-à-dire qu'on va seulement comprendre au bout de 20-30 heures. Rien de plus normal, j'ai envie de vous dire. Accrochez-vous. Faites comme Sam Porter. On l'aura cette fin. On ira à la fin. Enfin, j'espère en tout cas. Ok. On a un peu de sérum là. Quelqu'un veut un peu de sérum par ici? Qu'est-ce qu'on a là? Le problème, c'est que je perds pas beaucoup de niveau sanguin en vrai. Donc, j'ai pas besoin de manger plus que ça. On va prendre la sérum. Oh là là, ça commence à pleuvoir. Tu peux voir, non? Voilà. Oh, ça me met dans une sauce ceci. Ok. En vrai, j'ai envie d'installer un générateur. Ça serait cool ou pas? Ça serait cool de ouf. Attendez. 300 mètres. Sachant qu'on a une échelle, on a pas mal de petits trucs très sympas. Il n'y a plus de générateur. On va bientôt être hors limite de la connexion. Vous savez ce que ça veut dire? Peut-être des échoués, peut-être pas. J'aime pas ça, hein. j'aime pas ça du tout. Parapluie, ah, il pleut. Tiens, 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 qui voilage. Ok. Hop, ça en prend. Aïe, 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 c'est fini. On est en dehors de toute connexion. Ok. Déconnecté du réseau. On a William Lake qui nous a mis une petite échelle des familles quand même. Il fait plaisir, le bro.
Allez, de toute façon on n'est pas connecté. Oh, j'aime pas ça. Hein. Oh, j'aime pas ça. Hein. Comme disait Sam Porter, fut un temps peu cher, bonne mère. Ouais, évidemment, c'est de l'autre côté. J'aime pas du tout ça. On va prendre. Ok. J'ai une technique ancestrale. J'ai une technique ancestrale qui est de glisser progressivement une petite échelle. Hop. On va grimper. Ah, ça va être chaud. Ah, on a peut-être pas besoin d'échelle. On est des monstres en fait. Ok. Très très bien. J'ai peur. Très bien, on a des métaux. On a des trucs vraiment cool un peu partout. 200 de métaux, du Jésus. Oh. Ok. On est à combien de mètres? 84 mètres. What? C'est juste ici. Oh, bah on est large. Ancien. Très bien ça. Ça me plaît énormément ça. On prend, hop, des cristaux Kiro. Oh, trop bien, trop bien, trop bien. Oh, je suis content. Ça s'est bien passé pour une fois qu'il n'y a pas d'échoué. Ok, on va prendre. Évidemment qu'on va prendre ces petits métaux des familles. Pas envie de faire le crevard, mais j'ai pas envie d'utiliser une encre pour ça. Ok. Aucun fucking problème. En plus, la vue, elle va être magnifique à mon avis. Hop. 91 kilos sur 250, s'il vous plaît. C'est clairement pas rien. Ok. Ah, on a un... Ah, putain, on a un colis L. On y va. Et bien sûr qu'on y va. Le jeu est sublime. J'espère vraiment que vous appréciez. Est-ce que... Vous savez quoi? On va faire un petit recensement, tranquille. Est-ce que vous êtes nombreux sur une télé 4K? D'accord. Quand bien même si vous n'êtes pas sur une télé 4K, ce que je peux comprendre. Hein, quoique, on peut déposer les matériaux, en vrai. Vous savez quoi? On peut totalement déposer les matériaux. Lancement du Sky. Attendez. On va tenter. On va totalement tenter. Il a pas l'air très loin. Est-ce que vous regardez sur une télé 4K? Est-ce que vous mettez bien en 2K 60 fps? Et qu'est-ce que ça donne? Parce que là, je vous avoue que j'hésite pour les prochains let's play à passer carrément en 4K les vidéos. Et là, ça serait insane. Non, 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 non. Sam. Ok, bébé, calme-toi. Sam, tu fais peur des fois. Hein. Il a tendance à tracer là. Ok, on va récupérer ce colis de type L, de type large. Allez, stop, stop, stop. On se calme. Voilà. Bon, on va quand même équilibrer. N'abusons pas des bonnes choses. La marchandise. Voilà. On est parti. Aucun problème. On va distribuer notre colis. Il nous restera un troisième colis aussi à distribuer. Jusqu'ici, c'était plutôt safe. On a fait 500 mètres à l'aise. J'ai juste peur un petit peu pour la suite. Je vais pas vous mentir. On a pas mal de trucs à recycler. Vraiment cool en plus pour le coup. Ok. C'est magnifique. La neige. Vous croyez qu'on va y aller? Lancement du scan. Scan de... Allez, let's go. Identifiant Fragile Express. De l'herbe à pied. Et après on a un autre chemin, on repart direct, Timico presto. Allez. Bonjour messieurs dames. Activez le terminal. Bon, on va commencer par faire une livraison. Livrer déjà la marchandise demandée. Voilà, aucun souci. Et on va se connecter au réseau Kiral de ce côté là. Livraison. Je vous attendais. Vous êtes ma planche de salut. Si j'ai réussi à tenir jusqu'ici, c'est uniquement grâce au porteur. Et vous ne demandez rien en échange. Vous avez toute ma gratitude. Voyons ce que donne ce paquet. Parler, justement. Oh, c'est fantastique. Excellent travail. Merci. Allez, mission terminée. Très très bien, livraison terminée. Un petit S. Bande d'amateurs. Allez, régale-moi. Régale-moi s'il te plaît, dépêche-toi, j'ai pas trop le temps pour ces conneries. Voilà, voilà, vas-y, régale, régale. Continue les ponts de connexion là comme ça. Attends, quoi? Voilà, les points de connexion plus 15, mon pote.
Vous avez reçu le titre de bagagiste éminent. Visez toujours plus haut et vous serez bientôt considéré comme un vrai déménageur. Vous avez atteint le rang 10 du pont de connexion. Vous pouvez désormais établir des contrats de lien avec d'autres joueurs. Vous pouvez désormais effectuer des demandes de coopération afin d'inviter les autres joueurs à donner des matériaux pour vos structures. D'accord. La période pendant laquelle vous pouvez envoyer des likes, a été augmentée de 5%. Vous avez reçu le titre de déménageur. Vous êtes niveau rang 20 de pont de connexion. Votre niveau de synchronisation avec les autres joueurs a augmenté de 10%. Vous pouvez désormais établir davantage de contrats de liens. On n'en a toujours pas commencé un. Vous pouvez désormais effectuer davantage de demandes de coopération. Et la période pendant laquelle vous pouvez envoyer des likes a été augmentée à 6 secondes. Et là, ça ne se passait quoi d'un coup ? Alors vous venez de la part de Fragile Express ? J'espère que vous avez laissé les terroristes derrière vous. Quand Fragile, la fille du fondateur, a commencé à s'associer à d'autres messagers, les choses ont commencé à mal tourner par ici. D'après la rumeur, elle aurait provoqué l'explosion à la ville relais médiane. Et je dois avouer que j'y crois un peu. Bien entendu, elle pourrait n'être qu'une victime de plus. Vous connectez le réseau chiral ? Je n'ai rien contre un contrat avec Bridges, mais je ne compte pas rejoindre les UCA. Si ça vous convient, allez-y. Ah, c'est embêtant. Ça, c'est très embêtant. Fragile vous en a peut-être déjà informé, mais... les preppers qui ne veulent pas faire partie des UCA ont quand même la possibilité de signer un contrat avec Bridges pour rejoindre le réseau. De cette façon, ils peuvent utiliser notre service de livraison et d'autres infrastructures de base du réseau chiral, tout comme les membres à part entière. En échange, ils vous donneront accès à leurs installations d'impression chiral pour que vous puissiez refaire le plein de matériel. En revanche, ils ne sont absolument pas tenus d'échanger la moindre donnée avec nous. Alors ne vous attendez pas à ce qu'ils partagent des informations avec vous ou vous aident à développer des outils. Dans un monde parfait, tout le monde ferait partie des UCA, évidemment. Mais on n'est pas dans un monde parfait. Alors ce qu'on veut, par défaut, c'est au moins rattacher les gens au réseau. Ils peuvent toujours changer d'avis, rien n'est irréversible. Le Cupidon ne communiquera pas de la même façon avec le terminal en fonction du type de contrat. Connectez votre Cupidon pour confirmer. D'accord. Eh ben on va confirmer le contrat. Comme ça on sera au moins connecté. Allez, ça c'est fait. Il y a beaucoup de zones. Ça craint, mon pote, comme on dit dans le milieu. Très bien. Cette zone est désormais connectée au réseau chiral, ce qui vous permet notamment de voir les structures des autres joueurs. Comme d'habitude, vous connaissez le blabla. Sa société est tout simplement devenue trop grosse. Dans ce genre de période, il vaut mieux rester en petit comité. C'est aussi valable pour les messagers. Sinon, on est condamné à reproduire les mêmes erreurs. Les républiques, les fédérations, les coalitions, les états... rassembler toutes sortes de gens, c'est pour ainsi dire chercher les ennuis. Désolé, ça faisait longtemps que je n'avais pas discuté avec quelqu'un. Bonne route. À la prochaine. Allez, tire-toi, cow-boy. De toute façon, il te reste 2 jours à vivre. Ok, juste avant cela... j'aimerais recycler, s'il vous plaît. Et on va recycler, quoique du métaux, serait pas mal d'en garder un peu. Hein. Vous savez quoi? On va faire un choix multiple de métaux. Squelette renforcé. Je vais pouvoir en recréer, ça c'est plutôt cool. De la céram. Non, je garde le reste. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on va recycler 100 de métaux déjà. C'est cool, je suis plutôt sympa. J'étais pas obligé, ok? C'est parti. Livraison. Eh bien, bonjour! C'est toujours moi, je suis morte dans d'atroce souffrance. Passez une bonne journée!
Oh, c'est con, parce que ça me fera toujours rire. Confier des marchandises à livrer. Oui, on peut confier. Confier et récupérer des commandes standards. Si vous voulez que quelqu'un s'occupe d'une livraison standard à votre place, déposez la marchandise dans un casier partagé. Si un autre porteur décide de vous aider, il peut apporter la marchandise à destination. Ou elle. Ok. Très bien. Bah tiens. Hop. Allez go. Jeu de société. Dégagez-moi ça. Je vais plus en entendre parler. Allez. Ça c'est fait, c'est livré. Livraison. Voilà. Ça dégage. Marchandise a été confiée. Très bien. On se casse. Direction la suite déjà de notre aventure. Oh, Sam, oui. Vous pouvez à présent effectuer des demandes d'amélioration pour les structures. Oh, Sugoi. S'il y en a une que vous utilisez beaucoup, ça peut être franchement intéressant. Oui, très Sugoi. Très bien. Demande de l'aide pour les améliorations. Vous pouvez demander aux autres joueurs de vous aider donc à améliorer une structure. Dans ce cas, cette structure sera marquée par l'icône. Voilà, qui ne ressemble à rien. Ces structures portant l'icône ont plus de chances d'être partagées avec d'autres joueurs. Donc, par conséquent, j'avais vu une structure très intéressante qui était l'autopaveur. J'aimerais demander à quelqu'un de s'en occuper. C'est possible ? Ah, faut peut-être que je sois... démonter la structure. Faut peut-être que je sois dessus, hein. Ok, on verra plus tard. On verra plus tard. Moi, ce que je voulais faire, par contre, c'était... Oh, vous êtes chiants, les gars. Et là, c'est du harcèlement, hein. Bien joué, Sam. Ça fait maintenant deux stations de prépeur intégrées au réseau Kiral. Plus qu'une et c'est bon. Oh ouais, 600 mètres. 800 mètres, même. Qu'est-ce que je dis, 600 mètres, un peu cher, bonne mère. Là, ça va durer encore plus de temps. Allez, let's go, mon pote. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Je suis Sam Porter. Et je vais tout apporter. Où allons-nous? À l'abri. Où allons-nous? À l'abri. Où allons-nous? Dans la merde là en fait, non? Ouais les gars, attendez. Qu'est-ce que je vois là? Tiens, tiens, tiens. Attendez, attendez, je suis totalement égaré là. Waouh, 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 waouh. Ok. Où allons-nous? Dans l'abri. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Nous allons sans doute mourir dans d'atroces souffrances. Et tu sais quoi, mon pote? Eh bien, vu qu'on vit qu'une fois... Très bien, et bien vu qu'on vit qu'une fois. Ok. Allons-y, let's go. J'aurais peut-être dû en prendre d'autres, non? Quand je vois la gueule du bordel que j'ai à descendre. Oh bordel, mes caisses sont pas du tout en équilibre. Y'a rien qui va. Une sauce. I am in the sauce. Ok. Oh, je suis un monstre. Aïe. J'ai été monstrueux. Ok. Ok. Oh, j'aurais peut-être dû en prendre d'autres. Oh non, c'est bon, on peut passer par là. J'ai été monstrueux. En vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal du tout. Ok. J'ai un truc pour recharger mes jambes. Quoi? Bah oui, mais forcément, forcément! Vous allez pas me laisser tranquille, messieurs! Ok. Il y a un truc que je comprends pas. En fait, là, les caisses que j'ai là n'ont rien à voir. C'est problématique. Avec ce que j'ai dans le dos, regardez. Ah non, bah non, mais c'est moi, c'est bizarre. Je crois que je deviens fou, les amis. Mettez un like si vous aussi vous devenez fou. J'étais persuadé qu'il y avait un trou un peu chelou. Ok. Merci mon frère. Tu t'appelles Mario?
T'es dans le tuyau? Oh ouais. Attendez, menu de la structure. Améliorer la structure, on peut le faire ou pas? Vitesse de chargement accrue. Ouais non, abusons pas des bonnes choses. Hein. Rien à branler, moi j'ai rien à recharger. Hein. Oh là là. Ah, je m'envole! Non, c'est bon. Ok. Bon, il n'y a pas des chouets, mais il y a des mules. Oh, lui, je peux me le faire. Hein. Lui, je peux le saucer. Hein. Jean-Michel saucé. Oh putain, j'ai vu un... Je l'ai vu, là. Vous l'avez vu que je l'ai vu. Hein. Ok, on va faire attention. C'est la sauce. Ok. Toi, je te veux dans mon équipe. Oh, là, il y a un truc de détection. Ok. Je peux toujours pas manger mes cryptobiotes. Vas-y, je bois. Hein. Parce que je le vaux bien, les gars. Voilà. Fait plaisir. C'est pour vous. Hein. Attendez, je crie. Qu'est-ce que tu cherches, abruti ? C'est pas mal, ça. Hey, viens me chercher. C'est pas mal, ça. Je commence à m'énerver, hein. Qu'est-ce que tu cherches, abruti ? Ok, viens mon pote. Je vais te doser. Wesh, il vient en... On a été des monstres. On a été des monstres. Ok, qu'est-ce que c'est? Ok. Alors, menu de la structure. On a été monstrueux. Non, clairement, il y a des choses à applaudir. Applaudissons. Il faut des matériaux, du métaux. Mamma mia. Here we go again. Complètement malade, les gars. 5000 de métaux. Eh, va où ta route, gros? Reconstruire des routes. Ah, là, tu provoques aussi, frère. Vas-y, vas-y, je le fais, je le fais. Bon, allez, c'est pas grave. Christo Kiro. Bah, on va aller... Voilà, c'est pour moi, mon pote, ok? Allez. Ouais, vas-y, vas-y, c'est pas grave. Il y a bien quelqu'un qui aidera. Like reçu de la part de tous les membres de Bridges. Bah ouais. Je peux pas demander de l'aide là sur ça. Ah ouais, mais je reconnais ça. Ça va être caca. Alors, qu'avons-nous? Encre d'escalade. Oh, on a une mule là-haut. Oh. Heureusement que j'ai gratté une encre d'escalade, là, c'est plutôt cool. Alors. Ouais, j'ai peut-être fait une erreur. Je vous prie de me pardonner si tel est le cas. Ok, en vrai, ça a l'air plutôt safe, non? Pas du tout mes couilles. Mes couillasses, comme on dit. Ok, bah regardez ce qu'on va faire. On va prendre ça.
Attendez. Ouais. Ok. Juste. Attends, j'ai. Ouais, j'ai été pseudo-monstrueux. Allez, on garde. On garde, c'est pour moi, les gars. Très bien. Ville relais du lac. Yes. Des cristaux. Une petite moule toute seule. Bien envie de me la taper, celle-ci, non? Et voilà. Entre d'escalade. Direction l'abri. Ces sont les plaisanteries. J'ai plus d'échelle. J'ai peut-être utilisé la pire échelle du monde en vrai, non? C'est vrai que j'étais totalement un peu bébête. Évidemment, sans manquer de respect. Ah bon, on apprend. Hein. C'est comme ça qu'on apprend, les amis. Hein. Voilà. C'est comme ça qu'on apprend. J'ai aucun regret de toute façon. Si ça peut aider quelqu'un d'autre qui est en galère, ça me fait plaisir. Allez, on se casse os. Direction la maison. Il y avait un petit colis là-bas, on y va quand même. On n'est pas des crevards. C'est un colis small en plus. Allez, go. Quoi? Pardon? Petite blague ça. Petit caillou ça. Ok, oh. Ça on prend ça. Et ben voilà. 3 cryptobiotes, ça c'est gratuit. Terrain dangereux ici. Let's go. Elle est où cette putain de ville? Christokiro. Attends. Ah non mais attends, mais je fais le thug. Mais c'est 200 mètres encore. Ah oui. Ok. Va falloir que j'aille chercher de nouvelles bottes. Encore des cristaux pyro. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, c'est bien ce que je pensais. 2 km hein, à faire. 2 hein. km, je le fais en off. Hein, si on me demande de retourner là-bas après, hein, je te le dis. Hein. Ou alors en véhicule. Ok, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'avons-nous là? Un autopaveur. Bon! Eh bien écoutez, nous sommes pas mal pour la fin de cet épisode. Clairement le boulot a été fait plutôt proprement s'il vous plaît. Donc je vais vous demander d'applaudir, de déposer un petit like, lancement du scan. Et scan de faire extrêmement plaisir. Et on va voir les nouvelles commandes qui nous attendent. C'est sympa ici, putain, c'est très cosy. Par contre ils ont peur de personne. Hein. Allez. Let's go, on rend tout ça. Et ben voilà. Encore un bon boulot de fait. Et le décor change à chaque fois, c'est plutôt cool en vrai. Cet épisode était très sympa, très chill. Pas de cinématique, mais beaucoup de plaisir. Vous n'êtes pas de Fragile Express, si? Ah, je comprends. Bridges se sert de leurs identifiants pour finir la livraison. Eh ben, beau travail, fiston. Je vais vous débarrasser de ça. Le paquet a l'air... comme neuf. Incroyable. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu de marchandises en si bon état. Merci beaucoup. Je sais que ça a pas dû être facile. Allez, mission complete. Et ça, c'est un S. Hein. C'est un S, il ne suffit pas. Et ouais, mais vous avez cru que j'étais qui, en fait? J'ai pas le temps, moi, je rigole pas ici, ok? Et ben voilà, regardez. Regardez, regardez. Hop, ça c'est beau ça. Vous faites quoi dans cette histoire? Tout le monde sait que Fragile a organisé l'attaque qui a dévasté la ville relais médiane. Il faudrait être idiot pour confier des livraisons à cette terroriste. Mais vous êtes là, à la remplacer. Vous maintenez son affaire à flot, c'est ça? Je vous jure, on peut se fier à personne de nos jours. Et pas la peine de me baratiner pour que je rejoigne votre petit réseau. Vous savez pourquoi il y a tant d'attaques terroristes ces derniers temps? Parce que vous les avez énervés, avec vos histoires de reconstruire le pays. Rejoindre les UCA? Comptant peindre une cible sur mon abri,
Continue à me livrer, et on s'entendra très bien. J'ai pas envie d'avoir des ennuis. Mais je dois dire qu'elles me plaisent bien, vos grenades hématiques. Du beau boulot, il faut avouer. Et c'est pas le genre de matos que les UCA devraient garder pour elles. Après tout, les porteurs indépendants manquent pas dans les parages. Si seulement je pouvais en produire à la chaîne pour équiper ces braves gens. Vous êtes des gens bien, pas de doute. Et vous m'avez apporté ma commande comme prévu. Mais il en faudra plus que ça pour que j'accepte votre proposition. Le réseau Kiral, c'est un sacré pas en avant. Mais si vous arrivez à me prouver que je peux faire confiance à Bridges... J'ai une idée. Faites une autre course pour moi. Je vais entrer les infos dans le terminal, là-bas. Allez. Nouvelle commande disponible. Activez le terminal. Acceptez des commandes. Commande pour Sam, c'est donc récupération de boîte à outils dans un cratère. What? Vas-y, je prends mon pote. Vas-y, je prends mon gars. Je suis pas bien pour rien. La boîte à outils que vous cherchez devrait se trouver dans mon ancien abri. Elle a un identifiant, ah, c'est alors bêtant. Vous devriez pouvoir y aller sans problème. Je l'ouvrirai à distance quand vous y serez. Oh, et prenez quelques-unes des grenades hématiques que vous avez apportées. Ça rend bien service quand on se retrouve acculé par des échoués, pas vrai? En espérant que ça vous arrive jamais. Ok, il est en train de me dire, gros, prochain épisode, tu vas prendre ta part. Ouais, je prends mon gars. Oh, 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 oh. Porté sur le dos totalement. Et bottes de porteur, j'ai envie limite de les équiper en vrai, non? Accroché à la sangle de bottes. Allez, on n'a jamais trop de bottes et ça me botte bien, mon pote. Eh ben, regardez. Partir. Je suis pas un amateur, bien sûr qu'on y va, mon gars. Direction le monde des échoués. Que Dieu nous protège. Eh ben, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Et la prochaine fois, c'est direction 480 mètres, tout simplement. Et à mon avis, il y aura des... échoués. Allez, à très vite tout le monde, portez-vous bien et on pourra connecter cet endroit au réseau Kiral. Ciao, ciao.